Intimidé par le grand oral? C'est normal. C'est une nouvelle épreuve qui peut être déroutante, mais en réalité, ça se passe comme ça. Dans le jury, il y a deux professeurs qui ne sont pas les vôtres. Au moins l'un des deux enseigne l'une de vos spécialités. Vous leur remettez un document sur lequel figurent vos deux questions. Ils en choisissent une. Vous avez ensuite 20 minutes de préparation. Votre exposé dure 20 minutes et se déroule en trois temps. Debout devant le jury, vous expliquez le choix de votre sujet, sa problématique, puis développez votre réponse. Le jury est attentif à la clarté de votre propos, à la qualité de votre réflexion et de votre expression. Les professeurs vous interrogent sur le contenu de votre présentation. C'est le moment d'approfondir votre pensée, de montrer la solidité de vos connaissances et votre capacité à argumenter. Vous expliquez en quoi la question traitée a éclairé ou non votre poursuite d'études et votre projet professionnel.